Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Nous ne pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Nous ne pouvons que dire merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Amen à notre Dieu le Tout-Puissant. Amen, amen. Je crie haut et fort. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Que le bon Dieu nous donne toujours la force, le courage de toujours le louer, le glorifier, l'adorer, de toujours être près de lui. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous guider partout où nous irons, dans nos travails. Même si on ne part pas travailler, on reste à la maison. Que le bon Dieu puisse nous garder. Que le bon Dieu puisse bénir nos maisons, nos appartements partout où nous habitons, nos jardins. Que le bon Dieu puisse bénir, garder, protéger tous nos matériels. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse protéger, garder nos enfants partout où ils sont. Que ce soit à l'école, à la crèche, au lycée, et ceux qui passent les examens à l'université, et ceux qui font leur formation, que le bon Dieu puisse leur protéger, que sa main puissante puisse les garder, les accompagner partout où nos enfants sont, même chez les nounous. Amen, amen. Et que ceux qui sont malades, partout où ils sont, que le bon Dieu donne la guérison à nous tous qui sommes malades. Que le bon Dieu puisse faire les miracles, que nos maladies puissent finir un jour. Amen, amen. Restons toujours dans la croyance auprès de notre Dieu. Croyons toujours que Dieu va faire et ayons la foi que Dieu a déjà fait. Amen, amen. Et que le bon Dieu donne aussi la force, le courage à ceux qui cherchent le travail, un jour de trouver le travail. Amen, amen. Ainsi que ceux qui cherchent le logement. Que le bon Dieu puisse les localiser là où elles sont, là où ils sont. Que le bon Dieu puisse leur donner. Que le bon Dieu puisse leur donner une maison, un appartement. Amen, amen. Un toit pour s'abriter. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que vous allez faire, pour tout ce que vous avez fait. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous donner toujours cette force-là, d'être toujours auprès de lui prier, de lui louer, de lui glorifier. Parce que Dieu aime l'adoration. Dieu aime qu'on parle de lui. Dieu aime que nous soyons toujours ses enfants. Et oui, nous sommes ses enfants selon son cœur. Parce qu'il nous a créés à son image. Amen, amen. Nous allons faire cette prière ensemble. Prions. Seigneur, il m'est facile d'être inquiet concernant les circonstances de ma vie. Aide-moi à me souvenir quotidiennement que tu contrôles toutes choses. Aujourd'hui, j'ai confiance en ta providence, ta protection et en tes plans pour moi. Parce que je sais que tu te soucies de chacun de mes besoins et de mes désirs. Je sais que je peux me reposer en toi. Accorde-moi ta paix alors que je te donne le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Que le bon Dieu puisse nous guider et contrôler notre journée d'aujourd'hui. Remettons notre journée à notre Dieu. Amen, amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la servante Firmine. Pour ceux qui veulent être en contact avec moi, ils peuvent m'appeler à mon numéro au 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Et je remercie tout le monde qui se sont abonnés. Merci. Et vous tous, les abonnés, je vous dis merci. Je remercie tout le monde. Et je vous dis bonne journée. Je vous souhaite un bon mercredi, accompagné de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours. Amen, amen. Merci.